Yop tout le monde, c'est Neski pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode 6 du Call of Duty. Donc épisode 6, dommages collatéraux avec sa chapelle. Donc 18 octobre en 44, c'est parti, on lance la mission. N'oubliez pas la petite récompense, le like si vous avez kiffé et partagez un max la vidéo. Merci à tous ceux qui participeront. On pensait que la libération de Paris nous rapprocherait enfin de chez nous. Mais nos problèmes ne font que commencer. On se bat dans une ville à présent, Aix-la-Chapelle. Les Boches tiennent la ville avec désespoir. Je les comprends. On perfore la frontière ouest de l'Allemagne. Davis nous a ordonné de tout nettoyer, maison par maison. Il ne doit plus rien rester, comme il dit. Turner et Pearson sont incapables de s'entendre depuis qu'on est là. La fatigue commence à s'accumuler. Allez, c'est l'heure de la bouffe et des munitions. Je ne peux pas discuter mes ordres. C'est ça, votre seule mission. Eh, remuez-vous un peu. Faut qu'on ait rejoint le QG avant la nuit. Eh, j'ai trouvé ça qui traînait. Ça vient de ta femme. Je t'ai demandé de pas fouiller dans mes affaires. Quel genre de guignol ouvre pas son courrier? Le genre qui redoute une rupture? Regarde l'adresse, elle a écrit Daniel, c'est pas Red. Y'a pas 36 raisons d'être aussi formel. Désolé, mon vieux, mais je crois qu'elle te largue. Eh, c'est peut-être comme la lettre de Schrödinger. Tu sais, tant que tu l'ouvres pas, ça reste ta copine. Comme la lettre de Schrödinger, hein? Bah quoi? Ça suffit, les conneries! On doit être au théâtre municipal demain à 7h30. Faut croire qu'on a tous nos limites. Sans exception. À tort ou à raison, je me force à croire que tu m'aimes encore si je veux rester fort. Ok. Allez, c'est parti. Dommages collatéraux, 18 octobre 44. Avec la chapelle en Allemagne. Allez, Daniels! Daniels! C'est bon, je suis là! Dans les piles, mais il en arrive toujours plus! On va pas pouvoir tenir la place bien longtemps! L'artillerie est en chemin! Ils disent être là dans 10 minutes! C'est pareil que 10 heures! Lieutenant Turner, il nous faut des blindés! Les chars couvrent notre plan! Couvrez la tous et laissez-moi réfléchir, on bon Dieu! On a pas le temps pour ça, Jeff! Bon, Daniels! Toi et Aiello au téléphone avec Pearson! Vite! Allez, c'est parti! Daniels, vite, au téléphone! J'y vais! Daniel, son téléphone! Daniel, mon téléphone! Voilà, sergent! Da Good White 2-7 à Villa! On est sous le feu! Demandons appui immédiat sur ligne phase 2, à vous! Bien sûr, mais ça va nous exposer sur le flanc! Ok, à ramenez vous. Vos flèches le plus vite possible! Bien compris, on se met en route! Et maniez-vous, c'est pas que nous réduisons en charpie! Terminé! Bon, les gars, direction le Stadttheater. La première section a besoin de nous. Position ennemie inconnue. On bascule en communication par radio et interphone. Radio activée. Abson, cours par la droite pour rejoindre le théâtre. À droite devant. Bien reçu, Perez. Abrams, Poul, restez en position ici avec la seconde section et couvrez ce flanc jusqu'à notre tour. Bien compris. Ça marche, Perez. Restez vigilants et faites gaffe aux fantassins aux fenêtres. Ok, Abson, en route. Oh, stylé le chat. Hey, j'aperçois du mouvement, côté droit. Nos gars au théâtre ont les mêmes emmerdes que nous. Dès qu'on repousse les Allemands, ils en débarquent aussi nos autres. On est sur leur terrain. C'est plus de tout pareil. S'ils veulent un 20-100, ils l'auront. Ils ont pas la moindre chance. C'est pas leur façon de voir. Unité Panzerschreck! Tire d'armes légères, ils s'attaquent à l'autre.
rien là-bas. On subit trop de dégâts. Et où le mec? Détruit! Rapson, répondez! Rapson, vous me recevez? Bon Dieu! Rapson, je suis désolé. J'ouvre un pistolet! C'est très très joli les gars. Moi je kiffe, le gameplay il est très très beau. Putain, c'est un tigre! Attirez-le! On doit viser ses flancs! Face à Tiger, il serait grand temps que je me remette à jouer à World of Tanks. Attirez-le! On doit viser ses flancs! Contourner le char, le contourner, ouais, t'as facile à dire. C'est un tigre! Attirez-le! On doit viser ses flancs! J'arrive pas, le char est trop lent. Le char est trop lent. C'est un tigre! Attirez-le! On doit viser ses flancs! On peut charger! Tire direct! Au but! Où tu vas? On va piquer ce char! Les obus n'arrivent pas à faire fort le sondage avant! On se fait écraser! On a un autre panzer ici aussi! Ça marche pas les batteurs! Il nous
zombies, tirons-nous de là! L'obus a ricoché sur l'avant! On va pas pouvoir en supporter plus! On est touché! Le tir a ricoché! On bouge, ils sont sur nous! On bouge, ils sont sur nous. Ouais, bah... Par contre, je sais pas comment on va y remédier. C'est un tigre! Attirez-le! On doit viser ses flancs! Une, j'ai touché. On a un autre panzer ici aussi! Je me casse. Je me casse. C'est décidé. On se fait aligner par la gauche! Surveillez notre flanc gauche! C'est chaud, hein. Ouais, une. On tiendra pas plus longtemps. Villain a d'un coup de White de 7. Rapson s'est fait descendre. Il reste plus que nous. Nous sommes en route. On avance, les amis. Voilà le théâtre. On dirait que l'escouade de Turban est dans la merde. Il y a un blindé allemand ici. Éliminez-moi tout de suite ce panzer. Un lanceur allemand nous tire dessus. Il est croissant. Le char ennemi a été détruit. Véhicule ennemi en approche. Détruisez-les. Rechargement en cours. Ah. On les a tous eus.
Je répète, la place est nettoyée. Merci pour le coup de main. La good wipe terminée. Vous apercevoir que c'est donc la map Ashen du multi. Hein, pour couvrir notre flanc. Nous, on va pousser en direction de l'hôtel Allendorf sans soutien blindé. En route. Ok, c'est parti. Cet hôtel est un bastion nazi depuis des semaines. On doit le prendre si on veut récupérer la ville. Ça serait plus simple si on atteignait l'hôtel. On va tout péter, donc normalement, il ne devrait pas avoir de mal. Ouvrir la marche, soldat. Surveillez les fenêtres. Gardez un œil sur ces vitrines. C'est pas normal, c'est trop tranquille. Restez vigilants. Gardez votre calme. Restez à couvert. Mitrailleuse, restez pas dans la rue. À l'assaut, trouvez un point d'entrée. C'est un piège à couvert. Hors de question de retourner dans la rue. Ce mur a pas l'air solide. Daniels, ouvre un passage avec ton lanceur. À couvert. Bon. Continue d'avancer. C'est bien calme. Ah oui, monsieur. Restez sur le qui-vive. Vu que ça se passe ainsi, lui. Donc, alors. Voyons, voyons. Ça a l'air calme. Mais c'est sans doute pas une bonne chose. Daniels, qu'est-ce que tu vois? Le ciel est dégagé. Nos bombardiers sont passés par là. Vous admirez le paysage, soldat? Qu'est-ce que vous regardez? J'ai l'hôtel en ligne de mire. Pas de soldats sur le balcon. J'en vois pas ailleurs non plus. Ils doivent se terrer à l'intérieur pour renforcer leur défense. Mmh. Ils misent tout sur cet endroit. On devrait pouvoir s'approcher sans rencontrer trop de résistance. Mmh. Mais une fois qu'on aura atteint l'hôtel, il faudra qu'on s'attende au pire. On va d'abord devoir s'emparer de cet appartement. On pourrait grouiller de poche. On va le nettoyer pour couvrir nos arrières avant de passer à l'hôtel. En formation. Daniels, Zussmann, vous ouvrez la voie. On y va. Toujours les mêmes qui ouvrent la voie. C'est les meilleurs. Restez sur vos gardes. Les appartements pourraient grouiller d'Allemands. À mon avis, ils sont dans tout le quartier. La voie est libre. En avant. Restez vigilants. Daniels, on a encore besoin du lanceur. Gaffe, ça va péter. Je vois rien du tout. Allemand en face. Descendez-les. Le passage est bloqué. On doit débarrasser ces bottes. Je les vois pas. Restez baissés. Appuyez ici. Préparez-vous à tirer. Il est où pour les balles? Hey, mon bombardier, où vous
Bon, le truc avec les balles, il est où? Chef, des munitions! Il est où lui? Il est où le P2? Ah putain, j'ai crevé, mais il est où le P2? Il est crampé quand même. Je vois que dalle, frère. Bien. Bon. Passe devant et sécurise la pièce adjacente. Affirmatif. La porte est bloquée. Va falloir. Bah, chaud dedans. C'est vraiment étroit. Moi, je passerai pas. T'as mangé trop de corned beef. Oh. Très drôle. Daniels, vas-y. Wow. Ok frère. Ah putain que j'ai horreur d'être rouge ainsi. Bon, on s'en fout. Là, moi, je suis rouge tout, frère. Hein. J'ai des fumigènes et des grenades. Ok. Ce bahut nous bouche le passage. On va le pousser. Ayello, enlève le frein et prends le volant. Allez. Ouais, figé. Daniel, si on tourne un coup de main. Saloperie. Il reste de l'essence. Il a du jus. Il nous faut un véhicule. Lieutenant, je crois que je pourrais le démarrer. Hey, quelle surprise. La gueule, Einstein. Ok, on y va. Daniel, j'ai des grenades et des fumigènes. Daniel, si tu veux. Encore un mur. Perce-moi ça. Mettez-les tous au tapis, d'accord? Reculez. On doit nettoyer le hall. Sussman à droite, Ayello à gauche avec moi, Stiles à l'étage avec Pearson. Affirmatif. Ils sont retranchés vers l'escalier principal. En face, une mitrailleuse dans l'escalier aussi. Allez-y, prenez les artères. Merde, ils sont partout. Rejoins-moi.
Et voilà, soldat. Qui tire n'importe comment en fait. Restez groupés. Ta trousse de secours. Qui a la trousse de secours? Envoie frère. J'ai besoin d'aide. On approche. Hey, Stiles, j'ai trouvé la cachette parfaite pour toi. Va te faire voir. Funkel, Daniels, à toi la porte. Lumière. On dirait un gosse. Quelqu'un a du chocolat? J'en ai. Je parie que vous avez faim. Allez, tenez. Anna! Tout va bien! On vous veut pas de mal. On vous veut pas de mal. À manger. Ma soeur. Pitié. Aidez-nous. Non. Les renforts Bosch peuvent arriver à tout moment. On n'a absolument pas le temps de materner des civils. Elles sont que deux. Chef, vous devriez venir voir. Ah, c'est parfait. Merde. On est passé devant un camion tout à l'heure. On pourrait revenir avec et les sortir de là. Sauf votre respect, notre mission était de sécuriser cet hôtel. Sagen Sie, wir haben Verwundete. Die werden es nicht schaffen. Je ne parle pas Bosch, ma belle. Je spreche es falsch Deutsch. Keine Sorge, alles wird gut. Tu parles Bosch? Et t'avais l'intention de nous le dire? Oh non. Bon, on va évacuer ces civils. Daniels, Aiello, tu parles Bosch? Rendez-vous du côté ouest de l'hôtel. En route. Je me demande ce que tu caches d'autre, Erzusmann. Foutez-moi la paix. Ah, jamais de la vie, soldat. Jamais de la vie. Je crois qu'on est seul sur ce coup, Daniels. On revient pas que Sussmann nous ait pas dit qu'il parlait allemand. En fait, il est juif allemand. C'est juste qu'il voulait pas révéler son côté allemand. On a tous quelque chose qui nous fait honte. J'arrive pas à croire que vous faites 4 votre poche. Il y avait un gosse. Des vieillards aussi. On va sauver tout le monde. C'est des civils. On les renvoie vers l'arrière. C'est comme ça que ça marche. D'accord, on te couvre. Troupe allemande en approche. Débrouille-toi. Ah bon. Ok. Bon bah première mort. Débrouille-toi. Frère, j'ai même pas le temps d'avancer. Ils me disent un point, puis ils me disent un autre point. Débrouille-toi!
il est où ce lance-roquette? Ah, ils m'ont eu! Ah, les enculés! Attention, lance-roquette, j'en ai déjà un. Oh, ils m'ont jarté direct, j'ai même pas eu le temps d'être réanimé. Waouh. Dégagé. Attaquer. On dirait qu'il se replie. Ok, c'est bon. T'as réussi à le démarrer. Merci pour le soutien. Je me demande s'ils sont pas en train de se regrouper au nord. On doit avertir les squads. On doit tirer ces gens de là et vite. Ou alors, on tient la position. Trop dangereux. On risque d'être pris entre les échanges de tirs. C'est un peu tard pour ça, là. Décide-toi. Pearson a raison, Daniel. On n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Ce sont des civils, ils ont besoin de nous. Traverse la zone et garde-le dans la rue. Oui, sergent. Dit, là. Que sa sœur a dû retourner au sous-sol. Eh ben, elle peut y rester. On doit tirer tout ce monde de là. Allez. Lieutenant, s'il qu'est-ce plaît. Que je viens de dire? Tu as 2 minutes. Je viens aussi. Non, juste Daniel. C'est trop dangereux. J'ai besoin de toi pour couvrir le périmètre. Oui, chef. Dépêche-toi de revenir. À vos ordres. Quelle humeur. Et merde. Je dois trouver Anna. Elle doit être ici quelque part. Je sais pas, mais ça pue la merde. Ah bah là. Hé, petite. Viens. Retournons voir ta sœur maintenant. Viens là. Du kannst nicht entkommen. Chut.
bien. Je te protégerai. Ich will nach Hause. Zu Erika. Keine Anzeichen von Feinden. Wir sind nicht allein. Sofort wieder rauskommen! Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Kaspar! Nein! Kaspar! Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort! Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Kaspar! Tu t'en sors très bien! On y est presque! Bitte, Erika! Tu vas devoir être courageuse une dernière fois! Hilf hier raus! Je suis avec toi! T'en fais pas! D'où est-ce qu'ils viennent? Pas le choix, faut y aller! Impossible de passer par là! Ah, pas par ici! Attendez! Et je me rends! J'ai été capturé. Le foyer tu vas devoir bon. Être courageuse une dernière fois! Bring it here, Raus! T'en fais pas! D'où est-ce qu'ils viennent? Pas le choix, faut y aller. Je suis là, Anna. Ça va aller. Ici, on fait très impossible de passer par là. Encore un petit effort. Merde. Daniette, faut qu'on se tire d'ici. Conduis-la au camion. On te couvre. Compris. On fait le ménage. Anna! Merci. Mama hat gesagt, ich soll mich um Kaspar kümmern. Die kommen nicht zurück. Okay, ich voilà, je veux une petite. On les escorte à Poissetto. Pearson a raison. Si on vient avec eux, on risque d'attirer les tiens. Ça me paraît trop risqué. Soldats Sussman, on sécurise cette rue et on les évacue, c'est compris? Oui, j'ai bien compris, mais seul, je pense qu'ils seraient plus en sécurité. Si on laisse les Allemands reprendre cet hôtel, tous les nôtres dans le secteur seront en danger. On n'est pas à Catherine, là. On a l'avantage. Allez, faites-les monter, vite. À vous de voir. Tous à vos positions! Ah!
Non! Mais pourquoi ils m'ont remis cette arme là, cette arme de merde là, putain. Kann jemand einen Laster fahren? Wie in einem Breckenhäuschen. Ja, ich. Ich kann fahren. Allez, nee. Pardon. Excusez-moi. Elle est morte. Allez-y! Allez! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Je suis les ordres, tout le monde retourne à l'hôtel! On bouge, on bouge, on bouge! Hé, hey, on peut plus rien faire. Voilà. On a pris Aix-la-Chapelle, ouvert un passage occidental vers le Rhin. Mais le fossé entre Turner et Pearson est plus large que jamais. Et c'est bien plus que nos vies qui reposent entre leurs mains. Donc voilà, c'était Dommages Collatéraux. Très belle mission. Merci à tous ceux qui ont regardé. Moi je vous dis ciao, bye bye, si mes potes. Quand je dis pouce, vous dites bleu, pouce.